Qui synthétise nos produits en laboratoire? Comment sont élaborés nos procédés de synthèse? Nous allons le voir maintenant à travers Jump Motion. Bonjour, nous nous trouvons sur le site de Pierre Bénite et nous allons rencontrer Magali Brébion, technicienne de laboratoire au centre de recherche. Suivez-moi. Je suis technicienne en synthèse procédé, donc je réalise des essais pour faire de nouveaux produits ou pour travailler sur des procédés déjà existants, les améliorer ou résoudre des problèmes qui sont rencontrés en usine. Alors nous nous trouvons dans votre bureau, je m'attendais à voir un univers plus de laboratoire. Oui, mais on a aussi besoin du bureau et de l'ordi pour réaliser nos dossiers d'expérimentation qui nous permettent de prendre en compte les risques chimiques ou procédés avant de réaliser nos essais. Et puis on a aussi toute une partie traitement de résultats ou rédaction de compte rendu et aussi la rédaction du cahier de laboratoire. Mais c'est vrai que la plus grosse partie de notre travail se passe au laboratoire. Nous nous trouvons donc maintenant dans le laboratoire. Oui, tout à fait. On est devant un réacteur en verre dans lequel on peut venir faire certaines réactions. Donc on va venir ajouter différents réactifs. On les chauffe et au bout d'un certain temps, on récupère le produit final. Pendant la réaction, on a un dégagement gazeux, donc on va le piéger dans un autre réacteur à côté, un peu plus volumineux. Ça a l'air très complexe. Vous êtes plusieurs à travailler sur ce procédé? Oui, on est plusieurs parce qu'il y a plusieurs étapes. Ici, c'est une première étape, mais on a une étape aussi en réacteur métallique. Donc on est plusieurs à travailler sur le même procédé. On va souvent échanger sur nos résultats et sur les essais à venir. Et puis on travaille aussi avec des collègues qui vont nous analyser et caractériser le produit fini ou qui vont le tester pour les différentes applications. Qu'est-ce qui vous motive dans votre métier? C'est un métier qui est très varié. On travaille avec plein de personnes différentes et puis c'est très intéressant de travailler sur d'essayer de faire de nouveaux produits. Il faut de la persévérance, mais ça a un côté très concret. De la même façon que d'essayer de résoudre des problèmes techniques sur les procédés, c'est très concret aussi. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce que vous faites aujourd'hui? J'ai fait un DUT chimie il y a 20 ans. Et ensuite, j'ai travaillé directement au centre de recherche. Et donc, j'ai été amenée à travailler sur plein de produits différents, avec des techniques différentes. Vous êtes technicienne de laboratoire. Y a-t-il des possibilités d'évolution? Oui, il peut y avoir des évolutions hiérarchiques, mais il y a surtout des évolutions dans les compétences et avec l'expérience qu'on acquiert dans le temps. On apprend de nouvelles choses, c'est très enrichissant, et puis on peut être aussi amené à former des stagiaires, des alternants ou de nouveaux collègues. Merci beaucoup Magali. Merci à vous. Nous venons de découvrir le métier de technicienne de laboratoire. Rendez-vous dans un prochain épisode afin de découvrir un nouveau métier.